Garden. Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode du 100 bébé challenge. Et comme vous avez pu le voir dans la petite cinématique de début, Iva vient d'apprendre que Pania lui est infidèle. Tiens, ça me rappelle d'autres situations. Nous retrouvons donc Iva, très en colère, partenaire volage, et comment peut-on être de la même famille? Bah oui, parce qu'en plus ils sont mariés, ils vivent pas ensemble, mais ils sont mariés. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur nous-mêmes, puisqu'il y a des enfants dont on doit s'occuper. Alors, déjà, je voulais apprendre à Adam certaines choses quand même, parce que au niveau des... Adam, il est là. Adam, ça va. Mais alors, les jumeaux en dessous, difficile pour la nourriture, vagabond. Olympe, elle est carrément agressive. Ça craint un petit peu, donc j'aurais aimé leur apprendre quelques petites choses avant qu'ils grandissent, quoi. Sachant que dans cet épisode, est-ce qu'on va faire la fête d'anniversaire dans cet épisode ou est-ce qu'on va attendre? Je ne sais pas encore, nous allons voir. Alors, est-ce que tu peux lui apprendre les formes? Et ici, c'est plutôt pas mal de lui raconter une histoire, mais ce serait peut-être mieux si on lui changeait sa couche. Elle est dans son... Ah mince, elle va travailler. Alors, c'est pas grave. Iva, tu n'es pas obligé de regarder. Tu peux lui changer sa couche. Je pense qu'il y a besoin de changer la couche pour Olympe aussi. Changer la couche. Parler. Enseigner. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il va pouvoir continuer tout seul? Oui, il peut continuer tout seul. D'accord. Alors, Solène, elle prend un bain. Solène, elle était malade. Ouais. Essaie de se débarrasser d'un rhume. Non, elle est malade. Elle est malade, donc médicaments, hop, pour Solène. Mince, là. Ah, je peux pas prendre le médicament. Quand ils sont enfants, ils peuvent pas prendre de médicaments. D'accord. Est-ce que tu pourrais aller faire tes devoirs parce que nous... Oh là, c'est un peu buggé ça. Et elle lui a déjà changé sa couche. D'accord. Ah, elle a changé la couche d'Olympe à distance. Waouh. Waouh. Toujours plus loin dans les bugs. Et au moins, là, sur Olympe, la puanteur, elle a disparu. La puanteur a disparu. J'y ai joué il y a quelques jours. Et Iva, elle n'avait pas de cake aux fruits dans son inventaire, mais elle avait une interaction manger du cake aux fruits qui apparaissait. J'avais beau cliquer dessus et la réinitialiser, ça recommençait, l'interaction revenait alors qu'elle n'avait pas de cake aux fruits et qu'elle ne faisait même pas l'interaction. C'était trop bizarre. Bref, et du coup, vous allez le voir, ben déjà moi j'ai le petit caddie, déjà il clignote plus, c'est pas mal. Mais par contre j'ai, regardez si je fais ça, ça se voit. Je pense que c'est UI Cheats qui fait ça. Ça me détruit un petit peu tout le menu en fait. Là j'ai un petit bug. Si je vais dans le menu achat, qui est beaucoup plus rapide d'ailleurs. Donc je pense que ça faisait partie de bugs. J'avais, à chaque fois que j'allais dans le menu achat, c'était hyper long. Il faut que je regarde sur le frigo aussi. C'était hyper long. Et là, ça y est, c'est plus... plus fluide, plus rapide. Regardez ici, j'ai ma barre qui est verte. Et si je regarde les swatchs, vous voyez, voilà. Donc ça, je sais que c'est à cause du mode UI Cheats. J'ai du mal à dire à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais pas enlever le mode parce que j'en ai besoin. Et en dehors de cet aspect visuel, j'ai pas d'autres bugs. Donc là, pour jouer sur le 100 bébé challenge, vas-y, flemme, ça ira. Et est-ce que si je fais cuisiner... Ah, non, c'est toujours aussi long. Ouais, c'est toujours aussi long.
C'est pas grave, déjà, y a quand même plusieurs bugs qui ont été résolus pour moi de mon côté. Alors, j'ai dit qu'il fallait donner un bain. Bon, les bambins et nourrissons sont toujours autant insupportables, mais... Côté, on fait ce qu'on peut. Alors non, c'était pas à Solène du coup. Mince, c'est moi qui me suis trompée. C'est à Sébastien, c'est lui qui pue. Est-ce que Olympe, elle peut... Non, elle a besoin d'aide pour aller sur le pot. Je me vois qu'elle est partie en même temps. Est-ce qu'elle va aller le mettre? Oh non, mais regardez. Ça c'est insupportable, mais je pense que ça n'a rien à voir avec les derniers bugs en date. Je pense que c'était déjà là, en fait. C'est juste que moi, entre deux, quand il y a eu les nourrissons, etc., je jouais plus, donc je m'en suis pas aperçue. Est-ce qu'on va réussir à lui donner un bain? Allez, tu peux y arriver. Oh, oui, ok, c'est pas mal. Alors, elle est rentrée du travail. Elle a faim. J'ai des problèmes avec mes modes, mais ça, à la rigueur, on s'en fiche. Hop, hop. Ensuite, Solène, eh ben, elle s'amuse bien. C'est très bien. Ici, il y a quoi? Ici, tu peux peut-être faire une sieste avant d'aller à l'école. Ici, est-ce que tu avais fait tes devoirs? Pas du tout. Eh mais elle aussi, elle est malade. Grâce aux remèdes maison. Je ne sais pas ce qu'elles ont pris. Je ne sais pas. Et si tu as le temps de faire une sieste. Ici, prendrez propre humide. Bah non, sécher le linge. Ah mince! Sécher le linge. Oh, j'ai un mode qui a sauté. Normalement, j'avais le mode où elle aime Sam. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Qui fait que... Oh non. Il y a un incendie. Bref, j'ai un mode qui fait qu'il lance automatiquement et j'ai l'impression que le mode a sauté. Très bien. Alors ça, par contre, ça n'a pas changé. À chaque fois que je viens ici pour lancer quelque chose, c'est la misère et un incendie. Alors, restons calmes. Elle a découvert un incendie. Bah oui, elle découvre constamment un incendie. Je vais arrêter de la faire gérer le lave-linge et le sèche-linge parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Ok, c'est bon. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, tu vas pouvoir aller prendre un bain. Cause d'incendie sur le terrain. Mais ça y est, c'est terminé. On a éteint le feu. Allô? On a éteint le feu, il n'y a plus de feu. S'il vous plaît. Alors, soit ça veut dire qu'il va y avoir un autre feu. Ok, c'est bon. Waouh. Ouais, bah vous n'avez rien fait du tout. Merci bien. Alors, les deux, elles sont parties à l'école. C'est bien. Bah ici, ça sert plus à rien. Pff, vraiment. Il y a des choses qui ne changent pas. Oh, je vous ai tapé, mais alors quelque chose de bien. J'espère que tout va bien pour vos petites oreilles. Alors, du coup, je dois attendre qu'elle ait fini de prendre son bain. Je suppose qu'il y a du bambin à consoler. Affection. Voilà, c'est tendrement. Tout de même. C'est une drôle de dégaine, Olympe. Bah oui, tout va bien. Oh, bah, Olympe aussi. Allez. Soin donné au bambin. Plus de choix. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, amical, affection, enlacé tendrement. Mais oui, ça va bien se passer. Adam, il s'en fiche. Ça ne l'atteint pas. Adam, il a besoin d'aller dormir. Il y va tout seul, c'est très bien. Ok. On va être obligé de remplacer.
Évidemment, j'avais fait un contrat qui m'a rapporté de l'argent, je vais tout perdre. Alors, on va tenter de sécher le linge, peut-être que ça ira. Toi, il serait bien que tu ailles à l'école, je pense. Avis amical, sentiments, conseils amicaux. D'accord. Mais en fait, je veux juste que tu ailles à l'école. Ok. Ben ouais, un petit peu. Et comme ça, on va pouvoir donner un bain à Sébastien, comme on était parti pour le faire au départ. Et je me demande si c'est pas Alaïs qui a un problème en fait. Parce qu'à chaque fois que je lui fais gérer le sèche-linge, elle prend feu. Je vais arrêter d'y mettre Alaïs pour voir. On va aller déterrer un petit peu ce qu'il y a derrière, tout en gardant un œil sur les petits. Tout de même, du coup, eh ben, Sébastien, ça n'a pas fonctionné, il pue encore. Ou alors il a refait dans sa couche. Je ne sais pas. Au choix. On a des factures à payer? Absolument. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, ah oui, faire reproduire les grenouilles, c'est déjà pas mal. Hop. Ouais, c'est pas mal, vite fait quand même. Ça faudra l'ouvrir. Oh! Cristal. 36. Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Alors, les enfants sont rentrés de l'école, mais elles avaient laissé leurs devoirs. Hop, je vais leur remettre dans leur inventaire. Ok. Je vais pas trop les laisser dormir maintenant quand même, parce qu'après elles vont plus vouloir dormir de la nuit. On va essayer de faire les devoirs. Les bambins sont en train de dormir. Je ne veux pas de cela. Il faut pas que vous dormiez maintenant. Oh, l'hygiène, c'est encore pas ça. J'ai l'impression de... Ah non, c'était Sébastien. Sébastien, ça va mieux, je crois. Ça y est, il pue plus. Non, si, il pue encore. Il pue encore. J'ai encore un bug, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer hop, ici. Ici, peut-être jouer le temps que Iva s'occupe de chacun. Alors du coup aussi elle a pêché. Alors là, elle a pêché un poisson. Ça elle l'a toujours pas ouvert. Ça c'est quoi? Est-ce que je peux? Je peux pas. Ça peut pas être vendu, c'est vrai. Ça je peux le vendre. Ça en vrai on pourrait le vendre. Ça aussi on s'en sert pas à chaque fois. Hop. Hop. Est-ce que ça on peut... Non, on peut pas le vendre. On n'a toujours pas payé les factures. Ensuite on a dit qu'il fallait donner un bain à Adam. Toi t'as besoin de faire tes devoirs. Oh mais il y a Emrys. Mais bonjour. Oh, mais trop mignon. Mais bien sûr. Absolument. C'est un de ses camarades de classe. D'accord. Eh ben très bien. Je t'en prie, Emrys. Il n'y a pas de souci. Allez au bal de promo ensemble. Alors, Niri, on n'a pas le temps. Il faut laver. Mais non, je veux que tu laves, Adam, s'il te plaît. Non, j'ai cliqué sur prendre un bain, du coup. Adam. Pas toi. Adam. Oh, ça pue dans le frigo. Hop. Il va falloir nettoyer le sol aussi. Je veux pas que tu t'occupes d'Olympe. Olympe, qu'est-ce qu'elle a? Ah oui. Bah, tu peux peut-être demander de l'aide à Alaïs, ça me paraît bien. On a un bambin qui somnole, c'est lui? Sébastien? Sébastien? Oui. Peut-être dormir à la place. Lui, il est ici, mais il vient pas pour se faire prendre son bain. Hop, on va essayer de l'avancer. Hop, donner un bain à Adam. Ok.
Est-ce que tu as fait tes devoirs? Alors moi je veux bien que tu parles avec, mais il faut que tu fasses tes devoirs quand même, ma petite. Elles sont parties dormir alors que je voulais qu'elles fassent leurs devoirs. Devoirs, mesdemoiselles, devoirs. Ok, très bien. Je pense que c'est tout pour cet épisode. Je vais vous laisser avec une petite cinématique de fin. Et je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Lugenzo Yubara! Snoosh! Oh, Yubara! Azarab! Snurb! Now what time?